La toundra se pare déjà d'un manteau rouge et or d'automne que le bleu sombre des baies mûres panache ici et là. Après leur festin de saumon, les grizzlies n'ont qu'à se baisser pour déguster ce dessert délicieusement sucré. La mère guide ses petits vers ses coins préférés pour déguster les fruits juteux. La famille est au pic de sa phase de boulimie. Mère et ourson doivent se gaver et reconstituer leurs réserves de graisse afin de passer l'hiver rigoureux qui ne saurait tarder. Les spermophiles ne sont pas en reste pour ce qui est de se gaver en vue de l'hibernation. Mais ils restent vigilants. Ce grizzly n'aurait rien contre un petit apport en protéines animales. Avec ses griffes de 8 cm, dégager l'entrée d'un terrier n'est pas vraiment un problème. Cette odeur d'écureuil le fait saliver. Où sont ces satanés rongeurs? Il ne faut jamais tenter de battre un grizzly à la course. Il est aussi rapide qu'un cerf et agile qu'un félin. Ce modeste encas aura coûté de l'énergie, mais en cette saison, un grizzly ne chipote jamais sur le menu.